Abonne-toi et active la cloche. Pour regarder mes vidéos cuisine, il nous faut la ciboulette, logiquement. Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une recette invention totale maison. Voilà, j'ai décidé que j'allais faire une recette inconnue au bataillon. Donc, j'ai du poisson avec de la sauce yakitori. Vous savez, les sauces brochettes. J'ai des crevettes. Et j'ai après de la crème fraîche pour faire une petite sauce. Mais je ne sais pas si je vais la faire. Voilà, je vais faire juste une petite recette rapide, efficace. Ce que j'ai envie de manger, tout simplement. Alors, pour ça, il me faut pas du beurre. Hein. Pas du beurre. Il me faut 2 là, ben ça, c'est quoi, prime vert, parce que c'est pour le cholestérol, du fait que, et le cœur, du fait que c'est plutôt une recette saine, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sel dans le kikkoman. Je vais mettre de l'huile d'olive, parce que c'est bon pour la santé. Voilà. Je dis, je fais une petite recette juste pour me faire plaisir, et puis pour me faire plaisir à moi. Voilà, hop hop hop, je ne sais pas si vous voyez, ouais, voilà, comme ceci, je fais revenir. Alors je vais faire revenir des oignons rouges, voilà, je fais revenir mes petits oignons. Malheureusement j'ai pas d'ail, je sais pas où j'ai mis, j'ai dû l'utiliser là. Et pas en racheter. Alors ce qu'on va faire, moi je vais rajouter comme c'est de la sauce, hop, mais un tout petit peu, voilà, un tout petit peu de sauce yakitori. Ça vous la trouverez nulle part ailleurs cette recette. Hein. Je ne sais pas si c'est mangeable, mais j'ai envie de faire ça. Je vais mettre une petite pointe d'eau, une toute petite. Attendez, un bouchon. Voilà. Un peu ça cuise. Je vais rajouter mes crevettes épluchées. Alors, il y en a des semi-épluchées et des épluchées. C'est-à-dire que celle-là, vous voyez, elle est, j'ai enlevé la tête, mais elle n'est pas épluchée. C'est pour donner du goût. Ça donne un peu plus de saveur. Voilà, ça, je fais mes crevettes. Je mets du citron. Ça va être un plat typique asiatique inventé maison. Ça, c'est bien moi. Spécial salade, non, parce que là, je vais prendre que de la ciboulette. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, je mets beaucoup de ciboulette. D'ailleurs, elle va s'appeler recette yakitori ciboulette. Non, je ne sais pas. Voilà, pour l'instant, je fais revenir. J'ai ça à goûter, la tartinade de canard au fond d'artichaut avec 20% de foie gras de chez Art et Village. Ah, il fait chaud. Ah ben oui, il fait chaud, c'est parti, hein. Ça va sentir le poisson. Voilà. Du coup, maintenant, ce que je vais faire, comme j'ai badigeonné mon poisson, je vais mettre mon poisson avec ma sauce yakitori et du citron. Je défie à quiconque de manger ça. C'est vraiment moi, hein. C'est vraiment inventé maison. Même mon fils, il a dit qu'est-ce que t'as mis encore. Je vais baisser un peu. Voilà. Alors moi qui voulais mettre de l'ail parce que ça aurait été parfait, eh bien je ne peux pas. Impossible de savoir où j'ai mis mon ail. Le sel d'ail, apparemment il y a plus d'ail, plus de sel que d'ail. Ah non, c'est impossible. En fait, dans le sel d'ail, il y a du sel.
Et moi, jusqu'à maintenant, je mangeais que comme ça. Donc, je ne vais pas mettre du sel d'ail. Par contre, je vais mettre du sel, comme ceci, 50% de sodium, mais j'en mets très peu. Voilà, je vais rajouter du citron. Vous voyez, c'est tout simple. Hein. Après, vous pouvez l'agrémenter avec du riz, des pâtes, des pommes de terre. Moi, je dirais des petites pommes de terre sautées. Ouais, ce serait bien, des petites pommes de terre sautées. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Moi, je mange pas grand-chose, on est dans les pour deux jours, là. Voilà ma petite recette. Vous voyez, là, je vais rajouter mes petites pommes de terre. Hop, avec du citron. Un peu d'huile d'olive. Voilà. Et de la ciboulette, bien sûr. Là, vous avez deux plats en un. Voilà. Et bien, mon petit plat, il va être prêt. J'ai encore deux patates à éplucher. Vous voyez, c'est rapide, c'est efficace. Ça ne prend pas de temps et je pense que c'est délicieux. Voilà, c'est un petit peu goût sucré salé, je pense. Voilà, c'est une recette totalement dans ma tête. Mais on s'en fout. Le plus important, c'est d'aimer ce qu'on fait. Voilà, j'espère qu'on ne me voit pas. Ouais, enfin, je sais pas. Je sais pas si on me voit. Je suis en pyjama. Hein. Parce qu'il est fait le matin. Voilà. Je vous dis que ça. Bon, ça, j'ai payé ça cher, hein, ce connerie. C'est cher, hein, ça. Sauf yakitori kikoman, je l'ai payé cher. 5,40 €. Et ben, voilà. Citron. Mon plat est prêt. Poisson très frais. Voilà. Je voulais faire une petite sauce, mais il n'y a pas besoin. Voilà. Crevettes, yakitori, pommes de terre, oignons rouges et poissons, et ciboulette, huile d'olive, et voilà. Et si vous voulez, ben vous faites une petite sauce avec de la crème fraîche et, du citron. Mais là, rien qu'avec le... C'est pas la peine. Voilà, ben écoutez, je vais pas dresser, je vous le montre comme ça. Voilà, voilà. Bon appétit à tout le monde. Bon appétit, bien sûr. Abonne-toi et active la cloche.